je dois me préparer avant d'aller à la plage parce que voilà, faut que je m'épile, que voilà mon maillot soit nickel, sinon je me sens pas à l'aise sur la plage, je me sens pas libre de mes mouvements. Donc non, je préfère qu'on prévienne peut-être 2-3 jours à l'avance avant d'aller à la plage pour que je puisse bien me préparer. Mais c'est vrai que ouais, j'aimerais bien pouvoir y aller comme ça sur un coup de tête, mais c'est pas trop mon truc. Je me sens pas libre. En plus, on est sur une région où on juge beaucoup par le physique, donc forcément, quand on est à la plage, on se sent observé. Voilà, c'est la Côte d'Azur, c'est la région où les femmes sont belles, où les femmes font, où même les hommes sont beaux. Quand on voit des reportages à la télé, c'est la ville de la fête. Donc du coup, il y a toujours des canons dans les boîtes de nuit, sur les plages. Enfin, c'est un peu la ville des complexes. Hein. Si t'es pas un canon, tu te sens vite mal à l'aise. Pour moi, ouais, c'est un complexe parce que voilà, je suis pas mannequin, je fais pas 1m80 ni 50 kilos. Enfin, c'est non. Enfin, après, c'est vrai que ça va comparé à d'autres personnes, mais je suis pas. Quand je regarde sur la plage, je vois 20 filles beaucoup mieux que moi, et donc du coup, ouais, forcément, ça, je vais avoir tendance à complexer, à être mal à l'aise. Mais voilà quoi. C'est la vie. Pas de séduction, parce que je me sens pas assez à l'aise avec moi-même pour séduire en maillot de bain. Si je dois séduire, je préfère porter des vêtements. Mais non, moi, la plupart du temps, je vais à la plage pour bronzer parce que c'est tout. C'est le seul objectif que j'ai, passer un bon moment de détente, me baigner, me rafraîchir. Mais en aucun cas, c'est de la séduction. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a commencé à être comme ça à l'adolescence. Hein, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, j'ai commencé à prendre un peu de poids et du coup je voyais que mes copines par exemple, elles ne changeaient pas trop de physique alors que le mien changeait beaucoup, donc forcément j'ai commencé à développer des complexes à ce moment-là et en fait ça m'a jamais vraiment quittée. Alors que je ne bronze jamais, j'essaie mais à chaque fois je me lasse vite, mais oui je trouve que on voit moins les défauts quand on est bronzé. On a une plus jolie peau, les vêtements, ça nous va mieux, les couleurs, ça ressort mieux. Enfin, tout est plus beau quand on est bronzé. J'ai seulement 2 tatouages et ils sont vraiment tout petits, on les voit même pas. Parce que j'ai des bracelets qui les recouvrent. Donc non, c'est pour moi c'est juste des significations personnelles, à des endroits discrets, juste pour me rappeler certaines choses. Mais c'est pas du tout un critère de séduction pour moi et je me trouve pas plus séduisante avec des tatouages. J'aime pas être rangée dans une catégorie. Je pense que être une femme, c'est je pense que la séduction, c'est la femme. C'est la femme, la maternité, c'est la femme. Tout est femme en fait.